Ce qu'il y a maintenant, donc au département de biochimie où j'ai fait mon bac, à l'Institut de recherche clinique où j'ai fait mon doc, c'est qu'il y a des journées carrières. C'est organisé par les étudiants. J'ai participé à certaines d'entre elles. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions sur toutes sortes d'emplois. Et ce qu'on réalise aussi, c'est que les gens qui viennent parler de leur carrière, très très peu ont un parcours linéaire. Et ça, en fait, c'est ce qui rassure le plus les étudiants. C'est pas de découvrir ces autres carrières, c'est de réaliser que c'est pas bac, maîtrise, doc, post-doc, université. C'est qu'il y a plein d'options, puis que c'est quasiment standard maintenant de ne pas avoir un trajet linéaire. Donc, réseautage, et un autre message que j'ai à faire passer pour des auditeurs, il n'y a rien d'anormal à avoir un trajet qui n'est pas standard. Et c'est de plus en plus, je dirais pas que c'est de plus en plus courant, c'est tout à fait accepté maintenant. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. J'ai aujourd'hui le grand, grand plaisir d'avoir avec moi Bruno Lamollet, qui est rédacteur en chef adjoint des Débrouillards, un magazine de vulgarisation scientifique pour les jeunes, que d'ailleurs, moi j'ai deux jeunes et je peux montrer ici, j'ai Curium, c'est pour les un peu plus âgés. Ça, c'est un petit peu plus vieux. Et des brouillards, que mon petit garçon qui va faire 9 ans dans pas long, il est toujours en train de feuilleter. C'est drôle, il a pris l'habitude de le faire le soir. Dans son lit, il feuillette des brouillards et nous, on le laisse. On est très contents. Ben après l'école, c'est une lecture qui est un peu plus C'est facile. ça. Il y a de la science, mais il y a du loisir aussi là-dedans. C'est amusant, Il donc y a de l'humour. Il aime les oui. rébus, les énigmes, c'est quoi l'autre terme? Il y a des enfants qui envoient des blagues, Il y a juste des charades des aussi. charades, exactement, des charades, il aime ça. Donc, Ça c'est pour notre magazine les plus jeunes, les explorateurs, là, juste avant ah les oui, c'est vrai. Et débrouillards. ça, et c'est vrai qu'on vient de graduer parce que c'est vrai qu'on avait les explorateurs avant. Donc, juste pour continuer à te présenter, Bruno, auparavant, Bruno a écrit sur la science pour divers publics adultes, y compris la communauté universitaire. À la télé, il a été recherchiste pour la série de vulgarisation en technologie Comment ça marche, ZTélé et Discovery Channel. Et il est aussi l'auteur d'une formation destinée aux scientifiques sur la communication en congrès par affiche et à l'oral. Bruno détient un doctorat en biologie moléculaire et un certificat en journalisme de l'Université de Montréal. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Bruno, je suis super, super content de t'avoir ici aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Et puis, bravo pour les 100 000 écoutes de récemment, là, le cap que t'as atteint. Bravo. Merci beaucoup, c'est un grand cap et ça me motive à continuer à diversifier le type de trajet que je peux partager à la communauté des jeunes chercheurs. C'est assez fascinant ce que tu fais avec un sujet aussi niché, de trouver autant de diversité. Bravo. Merci, merci. Mais aussi, après, j'ai la chance de pouvoir rentrer en contact. Nous, on s'est croisés en personne au ComSciCon sur un panel il y a quelques semaines. Et donc, tu sais, je suis aussi très reconnaissant d'avoir, juste à Montréal, mais pas seulement parce que mes invités viennent d'un peu partout, mais juste autour ici à Montréal, une communauté tellement riche et tellement de gens. Inspirant de gens qui sont impliqués dans la communication scientifique, dans la vulgarisation. En tout cas, mon point, c'est je prends pas le crédit pour ça, mais je suis très, très content que ça marche. Et c'est drôle, hein, parce que c'est 100 000, 4 ans presque de podcast, 100 000 écoutes. Mais à chaque fois que j'ai une conversation, j'en ressors. Des fois, je suis un petit peu. Tu sais, j'ai un petit peu c'est pas le trac exactement, mais c'est une nouvelle personne que tu vas connaître. Moi, je suis un peu introverti à la base, mais je sors toujours avec les batteries chargées des conversations. Et donc, c'est ça qui me motive à continuer à le faire et à continuer à chercher à chercher à amener de l'information et de l'inspiration pour ces jeunes qui sont encore en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire de la science dans Exactement, laquelle oui. ils ont investi toutes ces années. Parce que c'est un gros investissement. C'est un gros investissement et ce que j'ai remarqué, c'est que pour beaucoup d'entre nous, parce que moi à l'époque je l'ai vécu, on arrive à la fin et c'est juste la dernière année qu'on se dit, hey, je vais sûrement pas être prof pour diverses raisons, parce que je veux pas, parce que je peux pas. Il y en a juste 1 sur 5 qui vont avoir un poste et qui sont un peu dans cette angoisse de, mais là finalement, j'ai fait toutes ces années
tu sais, pour être au labo, pour faire de la biologie moléculaire. Moi, c'était en biologie cellulaire. Et là, finalement, on dirait que c'est pas ça. Et c'est angoissant pour beaucoup de monde. Tu vois, moi, j'ai commencé avec un baccalauréat en biochimie. Et à la fin du baccalauréat, je me suis inscrit directement au doctorat parce que le programme de biologie moléculaire à l'Université de Montréal le permettait. Je me disais, parce que j'étais décidé à une carrière de chercheur. C'est ça que je voulais. Là, j'étais sûr, 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 sûr. Et puis, je me disais qu'en m'inscrivant au doctorat, ben, j'avais plus de chances d'avoir un gros projet de recherche plutôt qu'un projet de maîtrise, même en sachant qu'il y a les passages directs qui se font de la maîtrise au doctorat. Puis je vais m'éliminer aussi toute la bureaucratie du passage direct. Donc voilà, on commence avec le doctorat. C'est ça que je voulais, j'étais sûr. Puis bon, quand on arrive, on se familiarise les 2, 3 premiers mois avec le laboratoire, les techniques, le roulement. Et puis ensuite, j'ai mon vrai projet. En gros, on va faire ça très très simple. Alors, c'est pas pour me vanter, mais je pense que j'ai travaillé sur l'un des organes les plus importants du corps humain, au poids, parce que c'est la glande hypophyse qui est grosse, c'est pas plus grosse qu'un petit pois, mais qui sécrète tellement d'hormones, dans tellement de fonctions sur le corps. Et puis nous, on s'intéresse au programme génétique qui fait, on va dire, pousser cette glande-là, donc chez le fœtus. Et mon projet, ben, c'est comprendre le programme génétique de l'hypophyse. Puis là, pouf! C'est un projet qui part de zéro, ou presque. Donc, je récupère pas le projet de quelqu'un. Donc, c'est pas une extension du projet de quelqu'un. Donc, je me lance. Donc, il faut chercher des pistes. Et ces pistes, pendant plusieurs mois, on essaye et ça marche pas et on trouve pas la bonne piste. Donc, c'est un peu décourageant, surtout que les projets des collègues à côté, ben, eux, ils Ça avancent. roule, ouais. Aïe, aïe, aïe. Que ça roule, moi ça roule pas. Ben, je peux même pas dire que ça roule pas, ça, mais j'ai pas eu le feu vert, j'ai même pas commencé à rouler. Et puis à un moment donné, mon directeur de thèse revient d'un congrès, il a une information, il dit, il me semble que ça marcherait pour nous. On fait des tests, oui ça marche. Donc on a un début de piste. Et là je tombe avec des problèmes techniques, mais vraiment techniques, expérimentaux. Consulte des gens, lis des manuels, je fais rien d'extraordinaire, mais ça fonctionne pas. Donc là je perds, je crois peut-être un 2 mois technique. Encore là, les autres avancent leur projet, moi ça avance pas. Et puis, à un moment donné, ça débloque. On avance sur la piste et là, on trouve la pièce manquante du casse-tête. Et c'est le jackpot. Alors, il faut maintenant étudier, avancer. Mais là, c'est un jackpot. Sauf que c'est tellement le jackpot que mon directeur de thèse, me dit, faudrait pas trop en parler. Parce que on est un laboratoire parmi d'autres laboratoires, on est en compétition, notamment avec un laboratoire aux États-Unis, qui est un gros laboratoire avec énormément de ressources, une armée de chercheurs. Moi, je suis étudiant, je suis encore en train d'apprendre, puis je suis tout seul. Et la science, ben, ça s'est fait pour être communiqué. Fait que si je communique avec un chercheur de l'externe qui en parle à l'autre chercheur, puis qui lui dit, bon, ben, ok, il avait bien l'information, puis il n'y a rien d'illégal en soi là-dedans, ben, il va lancer son armée de chercheurs là-dessus, il va me dépasser en 2 temps, 3 mouvements, et puis nous, on perd tout ça. Donc, je me retrouve encore un peu tout seul dans mon projet, à pas trop pouvoir en parler. Donc, ça a pris quelques années à attendre à ce qu'on publie un article pour que je puisse vraiment en parler en dehors du laboratoire. Pour pas être scoopé, comme on dit Pour pas être en bon scoopé, comme québécois. on dit. Donc, la première partie de mon doctorat, ça n'a pas été si drôle que ça, puis sans dire solitaire, ça a été une partie où j'ai pas pu m'épanouir, dirait-on, dans mes études. Et je pense que ça a eu un impact un peu sur la suite de ma carrière. Parce que je me retrouvais un petit peu tout seul dans mon coin. Oui, ce qui est un danger, ce qui arrive à beaucoup de monde et ce qui est un danger, même pour la santé mentale, des jeunes doctorants, doctorantes. Ben oui, alors genre, tu te retrouves un petit peu tout seul dans ton projet, mais on pourrait y revenir peut-être un petit peu plus tard. C'est que le milieu de la recherche scientifique, puis j'imagine le milieu des milieux universitaires, c'est un peu un microcosme aussi, et où on se retrouve un peu perdu de toute façon. Ben pas perdu, mais perdu dans le monde, mais à l'aise dans son microcosme. Les nuits blanches, j'en ai fait quelques-unes au laboratoire. Aujourd'hui, on se dit, mais c'est ridicule.
À l'époque, c'est quasiment une fierté de dire je l'ai fait. C'est une mentalité complètement différente. Donc le projet démarre, et puis bon, ça va relativement bien. Et puis là, je peux aller en congrès. Puis à un moment donné, j'arrive en congrès à Toronto. Puis là, il y a un chercheur sur place qui travaille dans un domaine un peu connexe au mien, puis qui m'aborde, puis on jase. Puis là, il me dit, j'imagine que tu vas bientôt chercher un endroit pour faire un postdoc, parce que quand les études en sciences, souvent, il faut faire des études postdoctorales après. Je dis, ah, oui, bah écoute, tu sais, parce qu'il m'a dit, j'ai eu une invitation à aller chez lui. Alors, je dis, bah écoute, je vais y réfléchir. Et quand je rentre à Montréal, je réalise que je ne m'étais jamais posé la question du postdoctorat. Effectivement, il y a des gens autour de moi qui commencent dans leur projet, qui en parlent. J'ai essayé tel endroit, je pense à telle chose. Qu'est-ce que tu penses de la réputation de tel autre? Puis là, est-ce que j'ai vraiment le goût de faire un doctorat? C'est là vraiment que je me pose la question. Et puis là, effectivement, j'approche en fin de doctorat. C'est à ce moment-là. C'est ce que tu disais tantôt. On est tellement pris dans ce petit monde, dans ce microcosme, dans nos projets, tellement au quotidien, qu'à un moment donné, on perd la perspective de, il y a quelque chose qui s'en vient après. C'est sûr qu'il y en a qui sont très motivés, qui rentrent au doctorat, puis savent exactement ce qu'ils veulent faire. Moi, je savais juste que je voulais être chercheur. Ça, Et puis là, ouais. Peut-être que c'est pas ça que je veux faire finalement. Et que ça, c'est pas à un moment donné précis, là, une journée, c'est un processus là, qui s'étale sur quelques semaines, voire quelques mois. Parce que dis, ouais, il faudrait que j'y pense au postdoc, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire exactement? Là, tu réalises qu'il y a toujours quelque chose de plus important que cette question-là, puis au moment, tu dis, ouais, non, c'est pas ça que je veux faire. Cette conversation sûrement a été l'étincelle qui a amorcé la chose. Et après, c'est avec le temps et en regardant, comme tu disais, ceux qui sont autour de nous. Mais c'est intéressant parce que j'ai eu une expérience vraiment très parallèle à ce que tu dis. Donc, un projet où il fallait être en silence, en dessous des radars parce qu'on pouvait être scoopé, même chose, beaucoup de problèmes techniques. Moi, j'ai pas vraiment eu de jackpot. L'article a été publié 6 ans après ma défense, basé sur ce que j'avais fait. Ça a pris 6 ans, deux articles, hein, 5 ans et un 6 ans. Mais ce que tu racontes, qui encore une fois, ça ligne beaucoup à ce que moi j'ai vécu, ça me fait penser à deux conseils, disons, pour ceux qui décident d'aller au doctorat. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu étais le premier, juste pour mettre quelque chose, pour savoir si je vais sur une, si je suis une piste, est-ce que tu as été dans ta famille, est-ce que tu as d'autres mondes qui a des doctorats qui ont suivi ce trajet-là? Ou est-ce que tu étais comme comme on dit en anglais, first generation graduate student? Non, mon père avait un diplôme universitaire en océanographie en France, donc ça correspond à peu près à une maîtrise. OK. En tout cas, mon point est que souvent, on arrive, on a un peu les grands yeux, on nous propose un projet trop ambitieux, et souvent, on a changé de pays pour aller faire ces études-là. Et donc, on n'en a plus notre. C'était mon cas à moi là, mais on n'a plus tous nos amis, on est un peu seul. Et on nous propose ce projet qui est un peu trop ambitieux et risqué donc. Mais on ne nous dit pas que c'est risqué. Ce qu'on nous dit, c'est que le résultat peut être vraiment excellent. Et le conseil que je donne depuis un certain temps, c'est. Et si moi, je pouvais retourner dans le passé puis me dire quelque chose, c'est essaye de négocier avec ton superviseur. Un ou deux sous-projets où la barre est plus basse, où tu sais que dans 6 mois ou dans 4 mois, tu vas publier quelque chose. Parce que le fait d'être 1 mois, 2 mois, 3 mois en mode troubleshooting, là, en mode j'ai pas de résultat, en mode je vois les autres qui avancent, c'est dur sur le moral. Et après, en tout cas, j'ai beaucoup parlé de sentiments d'imposture dans le balado. Ça exacerbe ce type de sentiment-là, le fait d'avoir ce seul projet, mais qui est trop risqué, qui est trop secret aussi. Donc oui, d'essayer de ne pas rester dans cette bulle, mais aussi d'essayer de se négocier des projets avec des résultats un peu plus garantis, parce que c'est important d'avoir des résultats dans ces premières années où tu peux encore te sentir imposteur. Et le plus tu vois les autres avancer et toi pas, ben le plus tu peux tomber dans cette expérience-là. Au début, moi, ça a bien été. Alors, quand je suis arrivé, moi, j'étais ambitieux.
Donc, le gros projet, j'étais bien d'accord. Quand j'ai commencé à travailler comme assistant d'un autre étudiant qui faisait son doctorat. Donc, pendant 3 mois, et ça m'a permis de mettre mon nom sur un article. Donc, l'article, lui était premier auteur. Moi, je suis dans la liste des contributeurs à part. Et puis, donc, ça m'a initié aux techniques. Et puis, donc, je suis parti d'un bon pied. Le démarrage, ça s'est très bien passé. L'autre chose, c'est que je suis arrivé au Québec à 14 ans. Je suis pas venu ici pour étudier. Donc, il y avait pas cet enjeu-là. C'est par la suite que j'ai réalisé que je préférais lire des livres d'astronomie plutôt que des articles sur mon domaine. C'est plus comme ça que. En fait, il y a eu le déclic du congrès à Toronto. Mais effectivement, auparavant, j'avais plus de plaisir à lire des articles de vulgarisation scientifique sur à peu près toutes sortes de choses, généralement les sciences de la vie, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, plutôt que de lire l'article qui venait de paraître dans un journal prestigieux. Oui, de ton domaine particulier. Bon, si c'était mon domaine très, 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 très précis, oui, là, je t'intéressais à le lire, mais souvent le midi à la cafétéria, ah, t'as vu tel article dans, je sais pas, quel magazine, puis, non, je l'ai pas encore lu. Et puis, quelquefois, je ne le lisais pas non plus. Et en cours de route, ce qui s'est passé aussi, donc là, il y a plusieurs choses qui se mettent en place en même temps. C'est que, bon, j'étais membre d'une OSBL et l'OSBL cherchait quelqu'un pour s'occuper de son infolettre. Je dis, bon, ben, je vais le faire, ça, je vais donner un coup de main. Donc, c'était mes premières expériences avec la publication. Et puis, j'aimais ça. Puis, quelqu'un de l'organisme me dit, à CIBL, qui est le poste de radio à Montréal, me dit, cherche un chroniqueur pour une émission de vulgarisation scientifique, là, le lundi matin, une fois par mois. Je dis, ah, ben oui, car je vais essayer ça. Donc c'est ma première expérience en vulgarisation scientifique, c'était à la radio, donc le lundi matin, pendant la conférence hebdomadaire de l'Institut de recherche clinique, là où j'ai fait mon doctorat, où il y avait une conférence avec toujours un invité de l'extérieur prestigieux, obligatoire pour les étudiants. Donc j'en ai sauté quelques-unes, j'en ai foxé quelques-unes, et puis ça a valu la peine. Bon, il y a tout ça qui se fait un peu en parallèle. Je commence un peu de vulgarisation pendant le doctorat, mais je vois jamais ça comme une carrière. Et puis même quand je réalise que je veux pas faire de postdoc, je suis encore intéressé par le laboratoire. Donc, est-ce que je peux être assistant de recherche? Donc là, je fais des démarches. Il y avait encore beaucoup de laboratoires de pharmacologie, de biotechnologie à Montréal. Donc, je prends des contacts. Et ce que je comprends assez vite, c'est pour travailler dans le milieu industriel. C'est soit tu diriges un labo, ou une équipe plutôt, et tu as fait ton postdoc, et tu es un chercheur patenté, ou bien tu es un assistant, puis une maîtrise, c'est suffisant. Quelqu'un qui a un doc, ça les intéresse pas trop. OK, parce que t'es comme entre les deux et Là, je suis entre les deux. Donc là, je me dis peut-être même que je devrais envisager un postdoc en milieu industriel, juste pour faire quelque chose aussi, parce que la fin du doc... approche, puis il faut que je gagne ma vie aussi après le doc, peu importe ce que je vais faire. Donc j'envoie des candidatures à quelques postes de postdoc, puis à Montréal, je suis pas intéressé à aller ailleurs, là. Et puis je me souviens que j'ai passé une entrevue, mais je pense que je devais pas avoir l'air motivé. Avec le recul, sinon je me souviens, je ne devais pas avoir l'air motivé. Et puis effectivement, je n'ai pas eu de poste non plus. En parallèle à ça, il y a mon directeur de thèse qui lit ma thèse, puis qui trouve qu'elle est bien écrite. Et puis il me dit, tiens, les IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada, ils offrent des bourses. Des bourses pour les gens qui ont un diplôme en sciences de la vie et qui veulent étudier en communication. Fait que la communication, je dis, j'avais commencé à en faire, dis, oh, bah, tiens, c'est une option. Puis je vais appliquer à la bourse. Et puis, j'applique à la bourse en parallèle avec le certificat en journalisme de l'Université de Montréal, en me disant, c'est des cours du soir, c'est des cours de fin de semaine. Si j'ai la bourse, c'est le montant d'une bourse au doctorat. Donc, j'ai un revenu équivalent à ce que j'avais. Puis ça me laisse du temps pour trouver ce que je veux faire de ma vie. Donc j'obtiens la bourse, donc je m'inscris au certificat en journalisme. Et puis entre-temps, on en reviendra, mais grâce au réseautage, j'obtiens un contrat de traduction d'un livre de mathématiques de l'anglais vers le français. Oh wow, ok. Et puis je suis OK, pourquoi pas.
Donc, je contacte l'entreprise. L'entreprise me fait passer un test de traduction de mathématiques en anglais ou français. Puis, ça marche. Je me souviens de mes cours de mathématiques. C'est des mathématiques de base au secondaire. Je me souviens de mon dossier. Je vois les pièges. Et puis, donc, j'obtiens le contrat. Donc, je m'en fais faire de la traduction pour un livre de mathématiques. J'ai mon certificat en journalisme. Et je fais de la recherche pour un postdoc à Montréal en milieu industriel. Et très, très, très rapidement, je me rends compte, le milieu étudiant journalistique, c'est une bouffée d'air frais par rapport à ce que j'ai connu dans mon microcosme du doctorat. À l'Université de Montréal, certificat en journalisme, il faut que tu aies un bac, dans n'importe quelle discipline, mais un bac, ou une expérience professionnelle dans peu importe le milieu, mais d'un certain nombre d'années. Ça fait que je me retrouve dans un milieu où les gens parlent de toutes sortes de sujets. Ils sont intéressés à toutes sortes de choses. Et là, c'est frappant avec mon milieu, mon microcosme d'études supérieures, où les gens sont capables de parler de toutes sortes de sujets en dehors de la science. Mais à l'intérieur de la science, ils parlent de leur sujet ou quelque chose de très connexe. Une discussion sur, je sais pas moi, l'évolution, l'astronomie, je sais pas, la physique quantique. Juste, j'ai lu un article dans, je sais pas moi, Scientific American. Ça se fait pas dans notre laboratoire. Dès qu'on rentre dans la science, c'est très, 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 c'est hyper spécialisé. Alors que dès qu'on sortait de la science, on pouvait avoir du plaisir. Je me souviens de la première Coupe du monde de soccer en 98. Je suis au laboratoire. Et puis, on arrangeait nos horaires pour aller voir. On est à côté de la rue Saint-Laurent, puis il y a deux bars qui diffusaient les matchs. Et puis, on réorganisait nos horaires, et puis on allait voir les matchs, on travaillait plus tard ou plus tôt. On rentrait les fins de semaine, on faisait ce qu'on avait à faire. Puis tout le monde et tous les laboratoires, puis là, on jase ensemble, puis on parle de tout après le soccer. Mais dès qu'on parle de science, on a de la misère à sortir de notre sujet. Et là, j'arrive dans ce monde d'apprentis journalistes, mais on peut parler d'absolument tout. De tout, et ça, c'est une bouffée d'air frais. Je dis, moi, c'est avec ces gens-là que je veux travailler. Et puis, en commençant à pratiquer le journalisme, je réalise aussi que, bon, on fait des entrevues, mais c'est le journalisme m'apporte ce que je voulais avoir en science, qui est de découvrir et d'apprendre. Alors, je réalise qu'en science, c'est une curiosité très pointue, c'est une curiosité de pionnier, de découvreur. Et là, je réalise que mon plaisir, c'est pas d'être celui qui a découvert quelque chose, d'être le premier, c'est simplement d'apprendre, de satisfaire ma curiosité. Et là, dans le journalisme, à maison, quand je fais une entrevue avec un scientifique, en 20 minutes ou 40 minutes d'entrevue, j'apprends, je découvre et j'apprends un paquet de choses que j'aurais pas découvert, que l'équivalent, la masse d'informations que je découvre, c'est des mois de travail dans le laboratoire. Oui, il aurait fallu faire une veille, une veille de la littérature énorme. Juste découvrir par moi-même. Donc, c'est là que je réalise que je veux quitter pas la science, pas l'univers de la recherche, mais le fait de faire la recherche, c'est pas du tout ce que je veux faire. Le contact avec les scientifiques m'intéresse, mais les scientifiques, la science, c'est une aventure fantastique. Et puis là, j'en découvre des pans. Donc là, je découvre ma voie. Et là, c'est décidé, je veux faire une carrière dans le journalisme scientifique ou la communication scientifique en général. Donc tu découvres ta voie et une nouvelle tribu où là, ouais, tu te sens bien. Une nouvelle tribu, effectivement. C'est incroyable. Maintenant, j'ai une question. Donc en regardant tout ce que tu viens de partager, on est parti de ce microcosme. T'es dans ton labo, là je vais généraliser là, à ton microscope ou etc., à ton appareil que tu utilises, t'es très très pointu, tu regardes une question, tu regardes une molécule, ça c'est le classique de ce qu'on voit dans les laboratoires, dans la recherche. Maintenant, tout au long, tu as mentionné, et là j'ai eu une conversation et on m'a invité à tel, et là quelqu'un m'a parlé pour traduire, et de la façon que tu l'as dit, c'était un peu en passant et comme si ça t'était arrivé. Mais est-ce que tu es capable de regarder en arrière et de partager avec ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qu'est-ce que toi tu as fait? Parce que je suis sûr que tu as eu un rôle. Il y a quelque chose dans la façon
dont tes radars, dont ton radar était allumé vers un peu l'extérieur, qui a fait que ces conversations-là ont eu lieu. Est-ce que tu es en mesure de regarder en arrière et de nous distiller comment tu as fait pour avoir un regard en dehors de ce microcosme, toi? Je dirais, en un mot, c'est réseautage. Mais à l'époque, je pense pas réseautage. Je pense pas à « je veux faire une autre carrière ». À l'époque, si. Pour revenir à ce que je disais au début, je suis un peu tout seul dans mon coin. Puis parler avec les collègues dont le sujet avance, c'est pas toujours le fun. Donc je recherche des contacts à l'extérieur du microcosme. Mais je le fais pas de façon stratégique. Je le fais parce que j'ai besoin de voir autre chose. Je fais du sport, j'ai une équipe sportive où j'ai des gens, on va dire, normaux avec des guillemets. Et j'ai des amis de mon âge qui commencent leur carrière. Moi, je suis encore aux études. Donc, tu as besoin de voir d'autres choses. Je suis engagé dans un OSBL. Donc, je rencontre des gens qui sont d'un univers complètement différent. Je commence, toi là, je parlais de traduction. Là, c'est vers la fin, quand je commence à réaliser que c'est le fun, la communication scientifique. Puis là, je pourrais en faire dans ma carrière. Et je pourrais faire de la vulgarisation, comme les jeunes qu'on a vus au ComSciCon, qui sont pas nécessairement intéressés à devenir journalistes, mais ils veulent incorporer la communication grand public dans leur carrière. Et puis là, tiens, il y a une association des communicateurs scientifiques au Québec. Là, je leur écris. Puis je regarde les gens qui sont là, puis je suis intéressé à participer à certaines activités. Là, je regarde le bottin, qui est membre de cette association-là. Et puis en jasant avec des gens, justement, il y a une traductrice scientifique qui est celle qui me contactera un peu plus tard pour me dire, écoute, j'ai un contrat, j'ai pas le temps, puis toi, est-ce que ça t'intéresse? Là, je dis, oui, je vais le prendre. Donc, elle était membre de l'Association des communicateurs scientifiques. Donc, vraiment, le mot-clé, c'est réseautage. Et puis, une fois que je suis au sein de l'association, donc ça, c'est un avantage qui n'est pas présent pour tous les domaines des études universitaires, mais il y a peut-être des équivalents. Donc, quand je deviens membre de l'association, je m'en vais à leur congrès. Je connais personne, mais à laquelle je demande qui est la présidente. Je savais qu'elle s'appelait Dominique Forget. C'est qui dans la salle, la présidente de l'association, comme ICL? Alors, je vais la voir, je me présente, puis je dis, je voudrais m'impliquer dans l'association, comment je peux faire? Et là, elle me dit, il y a l'infolette de l'association qui cherche quelqu'un. Je dis, parfait, je m'en occupe. Et en prenant ce poste-là, qui est un poste qui est bénévole, ça me donne la visibilité, je rencontre d'autres personnes, j'assiste au conseil d'administration. Et là, il y a quelqu'un qui avait un webzine. À l'époque, on appelait ça un webzine. Un webzine, mon Dieu. Un genre de blog sophistiqué, oui. Cherche quelqu'un pour écrire des articles, qui me demande. Je dis, parfait, j'accepte. Donc là, je commence un travail rémunéré. C'est pas à temps plein. Je vends des articles à la pièce. Je suis travailleur autonome. Il y a quelqu'un de l'association qui avec qui j'ai étudié en journalisme, qui obtient un poste, mais à temps plein, donc elle peut plus s'occuper d'autres contrats qu'elle avait, donc elle me demande si je veux récupérer les contrats. Parfait, je récupère les contrats. J'ai étudié en journalisme, donc j'apprends qu'il y a des associations professionnelles journalistes. Il y a l'association des journalistes indépendants du Québec, donc je m'en vais à leur congrès. À leur congrès, ils organisent un speed dating entre les rédacteurs en chef de différents magazines. Et c'est les journalistes qui font la tournée. Donc, je me suis fait une petite feuille, un genre de mini CV, puis là, je distribue ça. Et dans les gens qui sont là, il y a le magazine, la rédactrice en chef du magazine de l'ACFAS, la Danielle Ouellet. Et elle, ça l'intéresse, quelqu'un qui vient des sciences, qui a une formation en journalisme. Donc, je lui laisse ma petite feuille. Elle me rappelle, et là, ça y est, ça commence, j'ai des contrats. Donc, le mot-clé, c'est réseautage. Et puis, c'est aller au-devant des gens. C'est vraiment aller. Il y a personne qui va venir nous chercher. Il y a personne qui attend quelqu'un avec un doctorat, quelque part. Il y a personne qui attend ça. Puis je pense que c'est pareil dans tous les choix, les milieux de carrière. Donc, faut accepter quelque part de... Peut-être pas de descendre de son piédestal, mais de dire qu'il faut remonter. C'est pas le piédestal, mais c'est tout ce qu'on a monté. Là, on se retrouve à descendre, il faut recommencer à monter aussi.
Mais on le remonte avec un bagage. On le remonte plus. Alors, il y a un bagage de doctorat en arrière. Faire un doctorat, c'est faire de la gestion de projet. C'est travailler sous pression, c'est faire plusieurs choses en même temps. C'est de la polyvalence. Je pense que ça vaudrait la peine, puis peut-être que tu l'as fait, qu'on décortique toutes les compétences qu'on acquiert quand on fait un doctorat ou quand on est aux études supérieures. Il y a des travaux qui ont été faits. Maintenant, je n'ai pas en tête les résultats, mais en France et ici, en tout cas, c'est quoi, je vais prendre une note mentale et le mettre dans les notes d'épisode parce que oui, il y a un travail qui a été fait. C'est un peu difficile parce qu'il y a des doctorats dans tellement de domaines. Tu sais, on a les sciences humaines, on a les sciences dures. C'est quand même difficile de distiller. Une liste de compétences. Mais il y a des travaux qui ont été faits qui est intéressant et je pense que oui, c'est important de le mettre. Je vais trouver les liens et les mettre dans les notes d'épisode parce que c'est ça, une des choses qui donne de l'anxiété à la fin, c'est qu'on n'est pas conscient de ces compétences-là transversales et donc on pense que je vais sortir, ils vont me dire que je suis surformé et donc, comme tu disais, tu es comme entre. T'es un espèce d'extraterrestre qui n'a pas de place, ou bien tu vas dire d'autres choses, c'est j'ai pas les compétences qu'il faut pour apprendre ce métier-là ou pour et c'est pas vrai, hein. Une des compétences qu'on a, c'est cette adaptabilité et cette capacité d'aller chercher des compétences et par nous-mêmes et de s'auto-former. Je parlais il n'y a pas longtemps de la rédaction dans le milieu médical et la personne que j'interviewais m'a dit, quand on vient du milieu universitaire, on se dit, ah, nouveau domaine, il faut que j'aie un nouveau diplôme. Et disait, non, dans ce domaine-là, il faut, comme tu disais, être un peu humble dans le premier emploi qu'on va avoir parce que c'est un nouveau domaine, on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas le langage, etc. Mais après, on apprend sur le tas. Et c'est un peu ça, c'est comme on est des apprentis, mais on apprend vite. Et après, c'est comme tu disais aussi, notre évolution a un potentiel d'aller bien plus vite par après. Je me souviens exactement, c'est ça, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec un doctorat en biologie moléculaire? C'est tellement spécialisé, tellement pointu, puis en même temps, je suis tellement compétent dans mon domaine, parce qu'on est très spécialisé, on est des travailleurs hautement qualifiés, mais qualifiés dans un domaine tellement pointu, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je me souviens d'avoir parlé aussi à des enseignants au cégep, est-ce que je peux enseigner? On disait, ouais, ce serait bien qu'il y ait un diplôme d'enseignement ou de compétences en pédagogie. Et ok, je pense que maintenant, je pourrais l'enseigner au secondaire assez facilement présentement. Présentement, oui. Au primaire, je ne sais pas trop, là, parce qu'on manque de personnes. Mais je ne dis pas que c'est facile. Par contre, peut-être qu'on m'engagerait, puis que je dirais, non, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop dur. Mais effectivement, il y a cette étape-là de réaliser qu'on a des compétences, mais ces compétences-là, les employeurs ne les connaissent pas nécessairement. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à les connaître parce que c'est nous, en ce moment, peut-être ça va changer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, en ce moment, ça retombe sur nous, chacun de nous, la responsabilité de nous vendre, de les présenter et Exactement. de les vulgariser, d'expliquer pourquoi est-ce que oui, j'ai fait un doc, oui, j'ai fait tout ça, mais je suis la bonne personne pour votre équipe et je vais apporter de la valeur ajoutée avec mon profil. Exactement. Je me souviens au début quand je cherchais des contrats ou des quand je rédigeais un CV, donc je précisais, donc je disais que j'avais un doctorat en biologie moléculaire, et là je rajoutais le laboratoire, le nom du directeur de thèse, le sujet de travail, puis même certaines fois les publications, alors que c'est complètement inutile. Ce que les gens voulaient savoir, bon, j'ai fait un doctorat, puis qu'à l'Université de Montréal, 2005, 2000, 2004, 2004. Puis c'est tout ce qui les intéresse. À part ça, ce qu'il fallait que je mette à la place, c'était mes compétences. Ce qu'on appelle des fois aussi les soft skills maintenant. C'est ça qu'il fallait que je mette. Et autonomie, gestion de projet, bah, gestion de projet, c'est un terme un peu technique, mais capacité à faire avancer les affaires, c'est des choses comme ça qu'il fallait que je mette. Que je mette plutôt que le titre de ma thèse, là, donc c'est apprendre à savoir quelles compétences vendre. Et dans ton cas aussi, à part les compétences, tu avais quelque chose d'autre à montrer et qui était un peu de le portfolio que tu avais créé, que tu avais bâti au long
de tous ces projets que tu as eus, parce que ça, ça démontre les compétences aussi. Si vous êtes capable, pendant votre doctorat, de foxer un peu, de foxer certaines choses, comme disait Bruno, parce qu'on nous demande, hein, quand on est au doctorat, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on me demandait d'être 200% du temps sur mon projet. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est, ils n'ont pas le droit de vous demander ça, parce que votre vie, ce n'est pas juste votre doctorat, c'est l'avant, c'est l'après. Et donc, il faut que vous ayez de l'espace pour que votre jardin ait plus de fleurs que juste la fleur recherche. Je ne sais pas pourquoi je suis allé dans la métaphore de la fleur, des fleurs, mais tu vois ce que je veux dire. Et tu as dit le mot « foxer », puis ça a une connotation négative, mais moi, je pense que c'est important. Et si tu n'avais pas pris ce temps-là, tu n'aurais pas eu ces conversations, tu n'aurais pas... rédiger ses premiers articles, participer dans cette OSBL, etc., etc., qui, dans le fond, ça quand tu es devant un employeur, c'est ce type d'histoire-là, c'est ce type de données-là auxquelles ils vont s'accrocher pour évaluer combien tu es un candidat pour le poste qu'ils veulent pourvoir. Exactement. Puis tout ce que je faisais en plus, je ne faisais pas sur mon temps de travail. La plupart des choses, c'était le soir ou les fins de semaine. Je rédigeais pas une infolettre pendant mes heures de travail. Mais oui, ce que j'ai utilisé, le 200%, il y a des étudiants qui décident de sacrifier quelques années de leur vie. J'en connais une qui l'a fait, ça a bien marché. J'en connais deux ou trois autres qui l'ont fait, puis qui le disaient, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Je souhaite que ça ait bien fonctionné pour eux. Je me souviens d'étudiants dont les patrons, le directeur de thèse ne voulait pas qu'ils fassent des démonstrations en laboratoire, qui étaient donc pour les étudiants au baccalauréat, les laboratoires dont de chimie ou de biochimie, il y a besoin de supervision par des étudiants gradués, et il y a des directeurs de thèse qui refusent parce qu'ils estiment que c'est du temps qui est pas consacré au projet de recherche et que c'est du temps perdu, alors qu'on est dans le milieu de la science, dans le milieu de la recherche, qu'on parle et que ça peut servir à quelqu'un qui veut devenir scientifique et avoir des étudiants plus tard. Donc il y en a qui sont. Donc c'est important de se trouver du temps, puis des activités, du social. Moi c'était beaucoup le sport aussi. Donc j'ai un sport d'équipe, j'avais ma gang. Donc c'est ça, c'est de pas couper les contacts avec les amis, même si on se sent décalé. Parce que les amis, il y en a un qui a un enfant, il y en a un autre qui vient s'acheter une voiture, il y en a un qui vient de s'acheter un condo. Puis nous, on a notre bourse d'étudiant. Puis là, on sent qu'il y a un décalage. On peut plus aller dans les mêmes restaurants. Mais il faut trouver des façons de garder des liens, les liens amicaux, des liens avec des activités. Et puis ça finit par ressortir à un moment donné. Ça finit par ressortir, même ne serait-ce que sur la santé mentale. J'en parlais tantôt. Il faut une vie en dehors des études supérieures. Oui, oui, c'est sûr. Et en plus, du fait qu'on a cette tendance à avoir une vision en tunnel, on a le projet qu'il faut réussir, c'est facile de... Et si en plus, en tout cas dans mon cas, t'es même pas dans ton pays, donc tout ton réseau d'amis n'est pas là, c'est très facile de tomber dans je donne les jours de semaine, je donne les soirées, je donne les week-ends. Et à Noël, il y a des souris qui naissent, je vais m'occuper des souris. Ça peut aller loin dans la perte de connexion avec d'autres communautés, avec des amis et avec tes hobbies, avec tes intérêts. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Après, l'envers de tout ça, c'est que quand tu le fais, et t'es pas le premier à me parler d'une communauté sportive, mais quand t'as une communauté en dehors, quand tu fais ces activités, et dis-moi si t'es d'accord, après tu te ressources pour après revenir au lab. C'est comme si ça te charge tes batteries d'avoir, je sais pas si tu jouais au soccer ou tu faisais d'autres choses, mais d'avoir suivi un ballon pendant 45 minutes ou d'avoir fait du vélo. C'est l'autre personne que je me souviens, elle faisait du vélo semi-professionnel. Et après aussi, ce que cette personne m'a dit, c'est que, et je pense que tu viens de me dire que tu as plus ou moins eu la même expérience, mais ces gens-là, il y en a qui sont, je sais pas, avocats, il y en a qui sont, ou qui étudient pour. Mais ça veut dire que tu as des conversations complètement différentes et que des fois, il peut y avoir des collaborations, il peut y avoir des idées qui partent. Donc, et après, tu es revenu sur la santé mentale, et moi, je pense que c'est un point super, super intéressant. C'est comme si, on dirait que le discours, des fois, c'est la santé mentale,
tu sais, ce qui est important, c'est faire ton projet. Et si c'est difficile, ben c'est peut-être parce que tu t'as pas ce qu'il faut pour être ici. Et c'est un côté très négatif de l'expérience. C'est pas, encore une fois, il y en a des superviseurs qui sont comme ça. C'est pas généralisé, mais j'ai entendu des histoires ça, c'est du plus triste qui peut y avoir pour moi. C'est de quelqu'un qui suit sa passion pour la science et qui finalement finit dans une espèce d'expérience de quasiment de torture psychologique parce qu'il y a quasiment un problème de relationnement avec le superviseur ou avec la culture de la place où elle est tombée pour faire son projet doctoral. Oui, je sais pas si je peux dire que j'ai eu des problèmes de santé mentale dans mon temps. C'était pas facile. Est-ce que j'ai passé le seuil du trou? Je penserais pas. C'est normal qu'il y ait la difficulté aussi à un moment donné dans les études, ça arrive. Par contre, j'ai vu des gens qui ont eu de la difficulté. Heureusement, on en parle plus maintenant. On commence à en parler. Il y a un article dans la presse qui est sorti il y a quelques semaines. À l'Institut de recherche clinique où j'ai fait mon doctorat, justement, c'est des étudiants qui témoignaient. L'autre chose aussi, c'est quand tu es aux études graduées, tu as l'impression que si tu continues pas dans cette voie-là, c'est comme un échec. Mais oui, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui peut t'empêcher de regarder ailleurs. C'est quelque chose qui peut t'empêcher. Il faut passer par-dessus ça pour s'ouvrir aussi à ce qu'il peut y avoir à l'extérieur aussi. Parce que dans ton microcosme, les seuls gens qui ont du succès dans leur carrière qu'on voit passer, ce sont des chercheurs qui donnent les cours à l'université, les directeurs de thèse dans ton département ou ton centre de recherche. Quand le département de biochimie a fêté son 50e anniversaire il y a quelques années et qu'ils ont invité des gens qui ont réussi dans leur carrière, c'était 10 personnes, c'était 10 chercheurs qui avaient leur labo. Alors que les gens qui sont passés par le département et qui ont contribué à la société, ben je pense qu'ils n'ont pas tous des doctorats, puis ils sont peut-être plus difficiles à retracer par contre, mais ce n'est pas que ça. Fait que la seule voie qu'on te montre, ben c'est la voie de la recherche universitaire. Donc ça aussi, c'est des barrières un peu invisibles dont on ne se rend pas compte. Et c'est malheureux. Donc c'est pour ça qu'avoir des gens à l'extérieur, des fois, ça peut faire réaliser que oui, il y a peut-être d'autres opportunités juste à sortir. C'est vraiment la seule chose que j'aurais à dire, c'est de sortir de ce microcosme, d'avoir des liens à l'extérieur. Et puis, je parlais d'organismes, un OSBL dans mon cas, plus une équipe sportive. Ça peut être n'importe quoi, faites du théâtre, je sais pas, mais il faut quelque chose à l'extérieur. Microcosme-là. Oui, ce qui vous intéresse. Après, j'ai eu des invités qui m'ont dit, ça peut même, tu sais, parce que des fois, ça peut être difficile vraiment d'avoir du temps pour faire quelque chose à l'extérieur, mais c'était à la saison 1 du balado. Et elle avait lancé, avec des collègues, un club de, je sais pas comment elle avait appelé ça, mais où ils invitaient des alumni de leur université, c'était aux États-Unis. Pour qu'ils viennent, et ils n'étaient pas tous des chercheurs, ces alumni-là, pour qu'ils viennent parler de qu'est-ce qu'ils ont fait après leur doc. Donc, ça peut être ça aussi. Et parce que ce qui est important dans cet exercice qu'on essaie de vous proposer, c'est vraiment d'avoir des conversations. Il faut rencontrer des gens différents et des gens qui sont à plusieurs degrés de distance de votre prof, de votre superviseur, des gens qui vont vraiment pouvoir ouvrir vos, juste dans une conversation, ouvrir vos horizons sur des panoramas complètement différents. Et donc, ça peut être quand même à l'Institut, mais il faut qu'il y ait une pollinisation avec des gens qui viennent de l'extérieur. Et des relations, vraies relations humaines, en personne, si possible, c'est l'idéal. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce qu'il y a maintenant, donc au département de biochimie où j'ai fait mon bac, à l'Institut de recherche clinique où j'ai fait mon doc, c'est qu'il y a des journées carrières maintenant. C'est organisé par les étudiants. J'ai participé à certaines d'entre elles. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions sur toutes sortes d'emplois. Et ce qu'on réalise aussi, c'est que les gens qui viennent parler de leur carrière, très, très peu ont un parcours linéaire.
Et ça, en fait, c'est ce qui rassure le plus les étudiants. C'est pas de parler de, c'est pas de découvrir ses autres carrières, c'est de réaliser que c'est pas bac, maîtrise, doc, post-doc, université. C'est qu'il y a plein d'options, puis que c'est quasiment standard maintenant de ne pas avoir un trajet linéaire. Donc, réseautage et c'est ça. C'est un autre message que j'ai à faire passer pour des auditeurs. C'est ça. Il y a rien d'anormal à avoir un trajet qui est pas standard. Et c'est de plus en, je dirais pas que c'est de plus en plus courant. C'est tout à fait accepté maintenant. C'est sûr. Et après, un autre élément que je retire de ce que de ton histoire, de ton récit, de ce que tu as nous as partagé, c'est que dans tout ça, c'est comme l'histoire de tu peux pas gagner la loterie si tu n'achètes pas le billet. Dans tout ça, il faut que les choses vont pas tomber dans les bras. Il faut que tu ailles vers les gens aussi et que tu ailles juste comme tu sais, toi, tu as eu un intérêt, tu t'es rejoint à l'ACFAS, tu as demandé qui était la présidente, tu as démontré ton intérêt à aider. Donc, il faut qu'il y ait. C'est un donnant-donnant, disons. Oui, l'univers, il va t'apporter des opportunités, mais si toi, tu n'étends pas ton bras pour comme avoir, en tout cas, pouvoir les prendre et agir, ben, là, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'ai très envie que les jeunes chercheurs, ceux qui sont à première, deuxième année de doctorat, ils comprennent ce qu'on vient de dire pendant cette conversation, parce qu'il faut commencer tôt à le faire pour que ça soit une habitude. Et pour que ça soit pas juste au moment où je cherche un job, parce que là, c'est compliqué, ou là, tu t'essayes de faire du réseautage pour avoir un poste, ça marche pas. Tu vois, puis dans le monde de la communication, c'est facile, même sans réseauter, de prendre une certaine forme d'expérience. Tu peux lancer une chaîne YouTube, tu peux lancer un blog. Puis à la rigueur, si personne n'y va, c'est pas si grave. Ça montre ce que tu es capable de faire pour un employeur. Je me souviens, dans la période un peu de transition, j'avais lancé un site web de vulgarisation sur l'ADN puis la génétique. C'était hébergé sur Geocities, pour dire que ça fait Hey, longtemps. wow, ça fait très longtemps. Ça s'appelait Bienvenue en génomie. Et puis j'avais programmé un petit site internet. En même temps, j'avais appris à monter un site internet, une compétence de plus. Pas de WordPress. Et puis il n'y a jamais personne qui a vu ce site-là. Mais quand j'ai appliqué pour la bourse de journalisme, quand je suis allé voir des gens qui donnaient des contrats, j'ai regardé, j'ai un site. Et ça leur montrait, un, que j'étais intéressé, que j'étais prêt à mettre du temps puis des efforts, puis en plus des bénévoles. Puis ça leur montrait un peu comment j'écrivais. Donc c'était une carte de visite aussi. Donc ça, c'est pas, donc c'est quelque chose qu'on peut faire en communication, c'est qu'on peut communiquer tout seul. On a les outils qu'il faut aujourd'hui. Ça permet de se constituer un genre de portfolio parce que dans la communication, le CV, quand on cherche un emploi ou des contrats, le CV est pas si important que ça. Souvent, on va nous demander ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà réalisé. Et ça a beaucoup plus d'impact qu'un CV. Ça a beaucoup de sens. C'est quelque chose que quand je vais faire des présentations avec des groupes d'étudiants, c'est une des choses que. En fait, c'est une des thématiques que je couvre, c'est l'importance de, si vous avez le temps et si vous avez ce goût, de vous créer un portfolio exactement pour les raisons que tu viens de dire. Parce qu'il n'y a rien qui parle mieux à un potentiel employeur qu'un exemple de ce que vous êtes capable de faire. Parce que tu peux dire ce que tu veux, tu peux mettre sur un CV ce que tu veux. S'il voit la vidéo que toi fait, que tu as fait, je sais pas, l'illustration 3D de. Il n'y a rien qui parle mieux qu'une image, qu'un exemple, un texte, par exemple, comme tu disais. Puis il y a un conseil pour les gens, pour je sais pas, des auditeurs qui voudraient s'essayer. Si vous voulez vulgariser faire de la vulgarisation sur Internet, ne vulgarisez pas vos travaux de recherche. C'est excessivement difficile parce qu'on manque de recul, surtout si vous n'êtes pas habitué à vulgariser. Trouvez un autre sujet ou d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec votre domaine de recherche et puis écrivez un petit texte là-dessus, une nouvelle. Ça n'a pas besoin d'être très long, hein, ça n'a pas besoin d'être un roman. Et puis, ça va vous montrer que vous avez des intérêts pour toutes sortes de choses. Et puis, vous allez avoir un certain recul par rapport je sais pas si vous êtes un spécialiste de l'astronomie, puis que vous écrivez un article en botanique, ben, vous allez plus facilement vous mettre dans la peau d'un lecteur qui connaît pas trop le sujet. Et puis, ça va être plus facile d'aller vulgariser. Et donc, vous allez montrer de l'intérêt à un futur employeur ou quelqu'un qui peut vous donner un contrat.
Donc, essayez-vous, mais évitez votre projet. Parce que c'est un réflexe très, très courant. Puis, je l'ai eu, moi aussi, quand j'ai terminé mon doctorat, je voulais vulgariser ce que j'avais fait parce que c'est génial ce que j'ai fait. Tout ce qu'on a fait, c'est fantastique. C'est un domaine, même si, mettons, pour quelqu'un, le doctorat très, très pointu n'a pas été un succès. En général, on aime le domaine qu'on a étudié, puis on veut le partager aux gens. Oui, mais plus tard, quand vous aurez appris à, voilà, quand vous aurez pris les bons réflexes de vulgarisation, et ça se fait avec des sujets qu'on ne connaît pas. En même temps, maintenant, si vous voulez faire un peu de vulga sur ce que vous faites, il y a tous les mathèses en 180 secondes, etc. Participer à toutes ces choses-là. Mais je comprends exactement ce que tu dis. Comme on n'a pas de recul, ça va être difficile de vulgariser, de ne pas utiliser de jargon, etc., etc. Je comprends totalement. Bruno, on arrive Oui. presque à 1 heure de D'accord. conversation. Bon. C'est passé Oui. vite. Et j'ai envie d'essayer d'un peu résumer ce que j'ai appris aujourd'hui avec toi. Et c'est intéressant parce que ça aligne tellement bien avec. Bon, déjà, nos histoires se ressemblent, ce qui est très intéressant. Mais tous les conseils que tu as donnés, ça aligne vraiment beaucoup à ce que moi j'essaye de préconiser de donner comme conseil. Mais partons du dernier point, ce point du portfolio. Et un portfolio, ça a l'air quelque chose de très sérieux, mais de ce que j'ai compris, ça peut être très simple. Il faut pas avoir si tu pars une chaîne YouTube, il faut pas essayer d'avoir 10 000 personnes qui te suivent. Il faut juste mettre sa passion et son effort à faire quelque chose de conséquent. Et moi, ce que je conseille, si possible, de trouver un rythme, parce que là on parle de YouTube, il faut comme publier avec un certain rythme, trouver un rythme qui marche pour vous. Mais comme on le disait aussi, tu m'as félicité pour mes 100 000 écoutes, mais moi, tu sais, j'ai commencé il y a 4 ans, et c'est en regardant maintenant en arrière que je vois les 100 000 écoutes. Mais au début, mais je me suis dit, regarde, j'ai 6 amis qui ont fait des doctorats et qui maintenant sont ailleurs, je vais les interviewer, et après c'est parti de là. Donc ne vous mettez pas un barème trop haut, un objectif trop haut pour vous lancer à créer votre portfolio. Parce que vous avez quand même votre doctorat à faire, là. Oui, bah oui. Puis, t'as pas besoin d'avoir un épisode de podcast ou de YouTube une fois par semaine. L'idée, c'est juste de montrer ce qu'on est capable de faire. Fait qu'en faire un ou deux. Puis là, un ou deux, ah, bah, tiens, il y a ça ou ça qui pourrait être amélioré. Fait qu'un peu plus tard, ben, t'en fais un autre et puis il va être amélioré. Puis si tu veux écrire quelques textes sur un site internet, ben, on n'a pas besoin d'en lire 10, là, deux ou trois, ça va donner une idée de ce que les gens sont capables de faire. Mais tu peux en écrire un et puis, après ça, ben, t'en écris un autre, puis t'effaces le premier parce que tu le trouves pas bon, puis que le deuxième est meilleur, puis celui-là que tu veux mettre, que tu veux montrer, mettre à l'affiche. On n'est pas intéressé à savoir en combien de temps t'as appris, on veut savoir ce que t'es capable de faire au moment où on aura besoin de toi. Donc, il suffit de mettre le meilleur, puis c'est un lien Internet, là. Pas besoin d'avoir un formatage spécial, nous, on va aller voir. Donc, Et ça peut prendre. Et l'autre point sur le portfolio, c'est que moi, je considère que ça peut prendre différentes formes. Ça peut être quelque chose de plus produit, comme une vidéo sur YouTube, mais ça peut être un compte Twitter très bien fait où tu parles tu vulgarises quelque chose. Tu sais, je parle Twitter. Il y a des gens, si t'es artiste, ça peut être sur Instagram. Ça peut prendre plusieurs formes. En plus, moi, j'ajouterais. Tu sais, t'as parlé de contribuer dans des OSBL, faire des newsletters. Le fait de participer avec des entités comme bénévole ou comme non, même après étant payé, il y a pas juste du contenu qui fait partie de ton portfolio, ça c'est aussi les expériences connexes que tu peux avoir, surtout en collaborant avec d'autres gens. Ça m'amène au prochain point. Prochain point, c'est le réseautage. Et le réseautage, ça, ce qui est dangereux avec ce mot-là, c'est que souvent, on dit réseautage et la personne, elle voit des hommes, des femmes en costume, cravate. Et là, on parle juste d'avoir un certain, pendant ton mois, d'avoir une certaine partie de ton temps où tu es avec d'autres gens en personne et t'établis des connexions humaines. D'être humain à être humain avec, tu parles d'autres choses, tu parles de sport, et donc d'avoir un réseau social plus élargi que juste ton labo, que juste ton groupe de recherche.
C'est ça. Le réseau n'est pas uniquement un réseau professionnel. Un réseau, c'est toutes sortes de monde avec un intérêt en commun. Un intérêt, je dis, ça peut être le sport, ça a été un OSBL pour moi. Je disais, ça peut être du théâtre. Puis c'est ça, c'est pas du veston cravate du tout, du tout. Et puis oui, il faut cibler aussi les réseaux professionnels dans leur congrès. Comme je dis, je suis allé au congrès de la CS, au congrès de l'AGIC, il n'y a personne qui est en veston cravate là-dedans, c'est très décontracté. Le ComSciCon auquel on a participé, c'est du réseautage aussi, c'est pour ça qu'on est tous les deux là. Et puis avec nous, il y avait Nathalie Ouellette là, qui dirige l'observatoire du Mont-Mégantic. Elle me dit, Nathalie, j'aimerais ça faire un reportage, puis aller à l'observatoire. Elle dit, ben oui, on va arranger ça. C'est ça, c'est avec des étudiants aussi. Il y a une étudiante qui présentait son projet en 1 minute. Il y avait quelque chose de bien intéressant, je vais la retracer là, parce qu'il y a une idée de reportage. C'est partout le réseautage, c'est pas juste le strict professionnel. Ben, en fait, c'est humain. Nous, on est des êtres grégaires et faire partie d'un groupe, j'utilisais le terme tribu, tu sais, quand tu as trouvé le journalisme, c'est ancré en nous et c'est comme ça qu'il y a des choses qui se passent et ça m'amène à mon dernier point. Les choses se passent, des fois, on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui se passe. Tu ne savais pas qu'une personne allait venir avec une opportunité pour traduire un livre de maths. Tu ne savais Non. pas qu'on allait te demander, hey, il y a un programme à la radio qui a besoin de. Mais si tu n'avais pas ce réseau-là, si tu n'avais pas ces connexions-là, eh bien, tu n'aurais pas acheté le billet pour la loterie, puis tu Exactement. l'aurais pas eu. Et donc, j'aimerais terminer cette récapitulation-là, sur ce point de, il y a beaucoup de hasard dans tout ça, mais on a un rôle dans ce hasard. Et après, c'est un lien à une autre chose, et qui est réconfortante, comme tu dis, c'est que les carrières linéaires, comme dans nos parents, en tout cas les générations avant, c'est plus ça aujourd'hui. C'est pas ça en recherche. Et donc, ça nous ramène au réseau. Ce qui est important, c'est d'avoir notre de pas être trop en vision tunnel, avoir notre radar ouvert et être ouvert à des opportunités qui apparaissent. Et quand quelqu'un nous dit, hey, t'es vraiment bon toi à faire tes illustrations. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a demandé peut-être, tu sais, si je connaissais quelqu'un qui fait et de pas se fermer et dire, ah non, moi je fais juste mon doc ou je fais juste ma recherche. Soyez ouvert à servir quelqu'un d'autre et à explorer ces chemins parce que à la fin, la vie elle est faite de ça et votre trajet professionnel, si vous regardez vers l'arrière, mais ça va être de moments tournants comme ça qui sont accumulés les uns après les autres. Et je vais même ajouter que le réseautage, c'est pas quelque chose qui est payant sur le coup à court terme. Donc c'est pas que donc quand tu dis ça, commencer déjà à rencontrer du monde, ben, ou avoir des activités même pendant le doctorat, c'est parce que ça va payer plus tard. C'est pas le réseautage apporte pas quelque chose au moment où on vient. C'est pas en allant tout de suite rencontrer, je sais pas moi, le rédacteur en chef de Québec Science ou la rédactrice en chef des Débrouillards, que tout de suite le contrat va arriver. Nous, c'est déjà arrivé, on rencontre des gens quelque part, et puis, lui est sympathique, puis c'est un esprit intéressant, il est allumé. Ça fait que quand il nous demande s'il peut collaborer avec nous, il dit, ah, c'est une personne intéressante, on va l'essayer. Donc, on va lui commander une petite capsule, puis on va commencer comme ça, on va voir si, puis on va continuer s'il y a affinité et plus. Mais au moment donné où il nous a abordé, on connaissait déjà la personne. On savait que c'est quelqu'un qui avait une tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui prend au sérieux ce qu'il fait. Donc c'est ça le réseautage. Puis c'est pas juste quand on parle professionnel. Comme je l'ai dit, c'est dans les discussions, dans un cocktail où on parle d'autres choses complètement. Mais c'est pas grave. Nous, on enregistre que cette personne-là, elle a un potentiel. C'est pas qu'on l'enregistre en pensant à donner un contrat par la suite. C'est juste que quand tu rencontres des gens, ben tu réalises que cette personne-là, elle est comme ci, elle est comme ça. Oui. Et moi, je parle souvent de LinkedIn parce que ça facilite beaucoup le réseautage professionnel. Mais ce que tu viens de dire, comme on parle d'une expérience très humaine, de pouvoir rencontrer les gens en personne, c'est le top. Il n'y a rien qui bat pouvoir
faire partie d'une tribu, comme on disait, mais de gens qu'on connaît en personne et qui nous connaissent et qui nous connaissent peut-être depuis quelques années et qui un jour, quelqu'un leur dit « Hey, est-ce que tu connais quelqu'un avec ce profil ?» Et ils disent « Ah ben oui, moi, Bruno, je le connais. Je le connais, je l'ai croisé il y a 3 mois dans un, je sais pas, là, un truc d'impro, hein, une rencontre d'impro. » Parce qu'après, la chose, je l'ai un peu dit rapidement, la chose à ne pas faire, c'est se mettre en mode réseautage quand on a besoin d'un job, parce que là, c'est transactionnel et les personnes, elles vont se sentir un peu usées, utilisées. Et ça va pas être... c'est pas du tout ça qu'on préconise. C'est vraiment de cultiver des relations dans un intervalle temporel conséquent là, et de vraiment les cultiver, comme je viens de dire, sans attente. Oui, quand on travaille avec des gens, la première relation, c'est une relation humaine avant d'être une relation professionnelle. Moi, quand je suis arrivé au débrouillard, la personne qui m'a fait passer l'entrevue, le patron, ben, je le connaissais déjà, on s'était déjà rencontré, puis on était déjà habitué à se tutoyer. Donc, il y avait déjà un lien. Quand il a vu mon CV, il savait déjà un peu qui j'étais. Quand il m'a engagé, il m'a dit par la suite que le fait que j'avais un doctorat en sciences avait été un plus aussi. OK. Mais ça, c'est... Pour revenir au doctorat. Oui. Je suis content que tu dises ça parce que c'est une des choses que les jeunes chercheurs qui sortent diplômés souvent pensent, c'est ben là, si je ne suis pas à la paillasse en train de fêter dans le labo, j'ai pas de place dans le tissu socio-économique et c'est pas vrai. Il y en a des. Et je pense qu'il y en a de plus en plus, des organisations, même le gouvernement, en tout cas, des entités qui reconnaissent la valeur d'un docteur, d'une docteure, et qui les cherchent. Mais comme le profil docteur, c'est pas quelque chose de standard. C'est pas comme le profil avocat ou comme le profil ingénieur. C'est plus difficile et il faut plus soi-même faire un travail, d'avoir un portfolio, d'apprendre à présenter ses compétences. En tout cas, l'ONU, c'est un peu plus sur nous. Là, c'est ça, c'est à nous d'aller chercher, de réaliser les compétences qu'on a acquises en fonction de ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a toutes sortes de compétences que j'ai acquises au doctorat qui ne me servent pas vraiment dans mon travail. Mais donc, maintenant, si j'avais à construire un CV, donc oui, je vais mettre doctorat, je vais aller chercher des compétences, mais les compétences ciblées en fonction de l'emploi. Donc, puis c'est une recommandation générale d'ailleurs. Quand on veut un emploi, c'est de cibler, mais il faut être capable de disséquer ou d'aller chercher, d'être conscient des compétences qu'on a acquises. Et de les vulgariser, parce que encore une fois, comme c'est notre domaine, si on ne sait pas pratiquer à avoir et à expliquer qu'est-ce qu'on fait, à expliquer notre recherche, à expliquer nos compétences auparavant, si on le fait juste le jour de l'entrevue d'emploi, ça peut être compliqué. Et donc, encore une fois, d'avoir un réseau diversifié, ça aide là-dedans. Bruno, on arrive vraiment à la fin de cette entrevue, mais on va rester sur ce point des compétences. Donc, de ton côté, pour donner un dernier boost d'inspiration à ceux qui nous écoutent, ou qui nous regardent, de ton côté, tu viens de parler de « Maintenant, je mets de l'avant le doctorat ». Tu as parlé de gestion de projet, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent associé aux compétences transversales du doctorat, mais personnellement, toi, dans ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui sont les comme 2-3 compétences clés que tu sais qui viennent, donc dont la racine est dans ce que tu as fait pendant ton doctorat, donc ton parcours de recherche? J'ai pas peur d'essayer. Je sais pas si les collègues aimeraient ce que je vais dire, mais souvent, quand on a des discussions, là, on cherche quelque chose. C'est comme si on trouvera pas la solution juste entre nous en discutant. Là, essayons-le. Puis si nos lecteurs aiment ça, ben ils aiment. Puis s'ils aiment pas, ben ils aiment pas. Et puis il y a certaines formes d'ambition aussi. Ça me distingue pas de mes collègues, là, mais parce que j'ai des collègues très ambitieux, puis qui ont pas de doctorat. Mais c'est une façon d'acquérir un peu ce. D'avoir de l'ambition, effectivement, l'ambition, ça vient avec le doctorat. Connaître le milieu universitaire et la recherche, mais ça, c'est spécifique pour moi, c'est un avantage. Mais c'est ça. Puis il y a une rigueur aussi qu'on acquiert au doctorat. Et encore là, il n'y a pas qu'au doctorat qu'on acquiert la rigueur. J'ai des collègues journalistes qui sont aussi rigoureux sans avoir de doctorat, mais c'est une façon d'acquérir de la rigueur.
c'est de pas avoir peur de lire des documents qui sont longs et plates. Ça, on a acquis cette compétence-là aussi. Donc, c'est dans le concret, voilà, c'est des exemples de compétences. Là. De pas avoir peur de. On est travaillant aussi. Travaillant, oui. Ça, c'est oui, travaillant et on n'a pas peur de projets de longue haleine, en tout cas, parce que là, c'est quand même 5-6 ans de ta vie que tu as passé à faire ça, acharné sur ce projet-là. Alors moi, c'était un peu plus long. Oui, oui moi aussi, c'est 6-7 en tout cas. Mais en tout cas, en Angleterre, c'est 3 ans et c'est fini, là. C'est un autre modèle complètement. Bruno, c'était vraiment, vraiment bien de parler avec toi. J'ai vraiment aimé tout ce que tu as apporté. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin pour quelqu'un qui écoute et qui se dit, allons dans ton domaine particulier. Là, il étudie en, je sais pas, mathématiques et qui se dit, hey, j'aimerais tellement ça vulgariser auprès des jeunes. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin, conseil pour, en plus de tout ce qu'on a dit, créer un portfolio, s'impliquer, faire un peu de bénévolat, aurais-tu quelque chose à ajouter pour cette personne qui aurait cet intérêt-là? Ah, oui, dans ce cas-là, se préparer mentalement. Parce que le milieu de la communication, c'est un milieu qui est très, très, très différent. On va dire, le milieu de la communication scientifique, c'est un milieu qui est excessivement différent du milieu de la science. C'est pas une extension de la science, c'est pas une branche de la science. On réfléchit différemment. La rigueur en communication scientifique est un peu différente de la rigueur en science. Parce qu'on a l'intérêt public, l'intérêt journalistique, c'est pas la même chose que l'intérêt scientifique. L'article qui est sorti qui est prestigieux, qui est sorti dans Science, Nature, des fois, il n'y a aucun intérêt journalistiquement, mais aucun. C'est pas parce que l'intérêt journalistique ou l'intérêt scientifique s'opposent, c'est juste qu'ils s'en vont dans des voies parallèles. Donc il y a une culture à changer. Quand je travaille avec des scientifiques, le critère pour eux, là, faut que ce soit vrai, faut que ce soit bien précis. Mais en communication, vrai, c'est un des critères. Les autres critères, c'est faut qu'on soit intéressant, puis faut qu'on soit compréhensible. Et puis les trois sont aussi importants. Puis des fois, faut faire des compromis entre les trois. Si mon article il est vrai mais qui est pas intéressant, personne le lit, puis ça sert à rien, on a perdu notre temps. S'il est vrai, qu'il est intéressant, je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit, là, s'il est vrai, il est accessible, mais qu'il n'est pas intéressant, c'est ça, personne ne lit. S'il est vrai, qu'il est intéressant et pas accessible, là, ça devient des fois même toxique, parce que ça devient de la désinformation. Il y a des antivax qui utilisent des résumés d'articles tout à fait standards, écrits par les chercheurs, donc c'est vrai, et qui en soulignant une phrase dans le résumé, lui font prendre une tournure anti-vax. Donc, les trois piliers sont importants. Sinon, on a des effets qui peuvent être négatifs. Donc, tout ça, c'est une mentalité qui est différente. La façon d'écrire est différente. Quand on écrit en science, que ce soit en congrès, quand je disais que je donnais des formations aux chercheurs, c'est parce que j'avais une expérience en communication et parce que j'avais un doctorat, sinon je l'aurais pas fait, on me l'aurait pas demandé. En science, on communique avec le résultat un peu plus vers la fin. On commence avec des intros qui sont longues. Et imagine qu'au bulletin de nouvelles, on commence en disant alors le Canadien s'est présenté sur la patinoire, puis là un tel a marqué un but, puis ensuite il y a eu une minute de pénalité, puis ensuite l'autre équipe a marqué un but. Non, on commence en disant le Canadien a gagné ou a perdu, puis là ensuite il y a eu un but d'un tel en première période. Et on commence par le message, puis ensuite on l'explique. Donc tout ça, c'est des façons de communiquer qui sont différentes. Puis quelquefois, plus tu es allé loin dans tes études universitaires, plus c'est long à réaliser le changement, et puis à se défaire de ces habitudes-là, puis à en prendre d'autres. Donc c'est ça, donc se préparer à ce changement de culture, ce changement de mentalité, puis c'est pareil pour d'autres milieux, mais dans le milieu de la communication scientifique, donc c'est ça. Mmh. Et une question, ben là, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a des formations que tu connais? Parce que bon, toi, tu as fait un certificat, est-ce que c'est nécessaire de faire un certificat en journalisme, ou est-ce qu'on peut se former quand même, est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent nous aider à essayer d'apprendre ce langage-là? Le certificat, comme le diplôme, j'en avais pas besoin, mais je l'ai fait pour compléter la bourse, pour que le chèque continue à rentrer. Mais après certains cours, j'aurais pu tout simplement arrêter là, des cours un peu plus techniques ou pratiques.
Puis il y en a d'autres qui l'ont fait. Maintenant, est-ce qu'il y a des cours? Ben, l'ACS donne des formations. Donc, l'Association des communicateurs scientifiques. Donc, allez voir ça sur Internet. Puis, il y a beaucoup de conseils qui se donnent maintenant sur toutes sortes de sites Internet. Il y en a en français, il y en a en anglais. Puis, je sais pas, peut-être que sur le site du AAAS aux États-Unis, il y a des conseils. Ça va être comment vulgariser ou comment communiquer avec les médias aussi. Tout ça aussi, c'est de l'information pertinente. J'ai un pop-up sur mon écran qui m'agace. Donc, oui, il y a des conseils, il y a de l'information sur les sites Internet. Il y a des organismes qui donnent de la formation aussi. Puis après ça, ben, c'est de mettre ça en pratique. Et puis, ça se fait comme ça. Après ça, c'est le portfolio. Mais bon, on n'est pas obligé de commencer à écrire ou commencer à publier, à lancer une chaîne YouTube à partir de rien. Il y a de l'information qui existe. C'est sûr. Et après, ben là, on a parlé de ComSciCon. ComSciCon, ça existe à plusieurs places. Donc, une fois par année, si vous postulez et puis que vous êtes sélectionné, ben, ça vous donne la chance d'être un peu formé dans différents formats, dans différents types de médias, là. Mais c'est aussi une avenue à suivre potentiellement. Mais c'est plus casé dans le temps, là. C'est fin printemps, début été à chaque année. Très bien. Bruno, je pense que c'est des très bons conseils. J'ai beaucoup aimé les trois piliers. J'espère que ça va être utile. C'est sûr, je suis sûr que oui, je suis sûr que oui. Merci énormément de cette plus qu'une heure qu'on a passée ensemble. Ça a passé tellement vite. Bah, ça m'a fait grand plaisir. Et c'est ça, bonne continuation dans ta mission d'intéresser les jeunes pour la science et pour. Et à lire des choses qui sont bien écrites, qui ne sont pas de l'intox, comme il y en a beaucoup maintenant. Et c'est ça. Je suis super, super content que tu aies pu avoir le temps de passer cette heure avec moi. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, David. Et puis, ben, longue vie à Papa PhD. Merci. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com/audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets. Si tu veux m'aider encore un peu plus, rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.